Alors, Tempura, c'est un magazine sur le Japon. C'est le premier magazine trimestriel haut de gamme sur la culture, enfin, les cultures du Japon et la société japonaise. L'idée de cette revue, en fait, est venue d'un constat d'abord. C'est que le Japon, malgré le fait qu'il fascine en France, qu'il y a un véritable engouement, un intérêt pour ce pays, il est souvent traité à travers les mêmes biais, c'est-à-dire la pop culture, les mangas, les animés, ce qu'on connaît, en fait, les geishas, les samouraïs. Nous, ce qu'on voulait, c'était sortir un peu de ces poncifs-là et d'aller vers des sentiers un peu moins battus. Tempura, finalement, c'est une équipe. On est quatre à Paris pour avoir démarré ce projet. Donc, il y a Olivier Cohen de Timari, qui est le directeur de la publication, qui a fondé Social Terre il y a 7 ans. Clémence Fabre, du coup, qui est la directrice artistique. Et Léa Marchais, qui est la graphiste maquettiste avec qui on travaille, du coup, sur ce projet, et donc moi-même. On a voulu vraiment mettre l'accent sur l'aspect visuel aussi. On pense que, bon, aujourd'hui, la presse est dans une santé un petit peu compliquée, mais on reste convaincu qu'en proposant des produits de qualité, plutôt sur du haut de gamme, sur du temps long, avec des longues histoires, des longs reportages plutôt approfondis, on peut se démarquer et on peut intéresser les gens. Et on le voit avec des succès en librairie comme America. Pour moi, le modèle est là, c'est-à-dire proposer quelque chose d'autres gammes sur une temporalité qui est un petit peu plus longue, avec des longs sujets où on va au fond des choses, on va à la rencontre des gens, et c'est ce qu'on a voulu faire. Mais ça implique aussi d'avoir sur la forme, donc ça c'était pour le fond, sur la forme, d'avoir un objet qui est beau à regarder, qui est agréable, qu'on a envie de garder, de collectionner peut-être chez soi. Donc au fil des numéros, on sera sur 4 numéros par an, avec à chaque fois des couvertures fortes, un vrai traitement visuel, un traitement graphique qui sera assez unique. Et voilà le projet Tempura, c'est une exigence à la fois sur le fond et sur la forme. Au niveau de l'équipe éditoriale, on a une équipe assez mixte, beaucoup de journalistes professionnels qui sont basés là-bas. Donc on a Jake Edelstein, l'auteur de Tokyo Vice, qui a un grand succès en librairie. On a Philippe Mesmer, le correspondant du Monde, Joanne Fleury, Yuta Yagishita. Voilà, tout un pool de journalistes, d'auteurs qui sont basés là-bas, mais aussi des auteurs et des journalistes qui sont basés ici en France. Il y a notamment Arthur Dreyfus, qui est publié chez Gallimard, qui a écrit, qui va contribuer pour nous avec une chronique bien à lui. Il n'est jamais allé au Japon et du coup, il parle de sa vision un peu fantasmée du pays, de ce qu'il imagine, de son imaginaire par rapport au Japon. Et on a aussi en France, par exemple, Christelle Grandjat, qui écrit sur la science, l'art, sur les liens entre la science et l'art, qui a écrit un portrait de Justine Aymar, qui est une artiste contemporaine, qui travaille beaucoup avec le Japon. Et puis, on a aussi une équipe de graphistes, d'illustrateurs, Vincent Brocker, par exemple, qui est un illustrateur français qui est très exposé en ce moment, qui a travaillé avec nous, et des photographes. Et donc voilà, c'est une équipe qui est franco-japonaise, un peu sur les deux continents. Dès ce premier numéro, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est entrer par la petite porte. Et donc, parler de l'intime japonais, en fait. Qu'est-ce que l'intimité au Japon? Donc l'amour, le sexe, le travail, la famille, comment se construisent les relations sociales au Japon? Et du coup, traiter de thématiques qui nous touchent et nous interrogent forcément. Donc dès ce premier numéro, on aura un reportage sur la mort et la fin de vie avec Philippe Mesmer. On a un reportage, une enquête, un récit plutôt, sur les Love Hotels avec Jake Edelstein, qui est allé visiter ces hôtels où on peut rester quelques heures ou toute une nuit. On a une enquête sur le milieu du catch professionnel féminin au Japon avec Joanne Fleury. On a le portrait de Tsujiyuki, qui est un artiste ikebana jeune qui réinvente un peu cet art traditionnel et qui en fait quelque chose, vous verrez, de particulier. On a un grand entretien avec Daniela Ferrière, l'académicien, auteur notamment de « Je suis un écrivain japonais ». On s'est entretenu avec lui et justement, on voulait discuter de son rapport à l'identité, aux frontières, à comment on se définit en tant qu'écrivain et tout simplement en tant qu'humain. Est-ce que naître quelque part est plus important que de mourir quelque part? Est-ce que si on meurt au Japon, on est japonais? Donc voilà, on voulait discuter avec lui de tout ça et justement de comment on peut casser ces barrières-là et comment finalement, nous, en tant que Français, on peut faire un magazine sur le Japon.